Alors, ceci est le tracé des images que vous allez voir. C'est une structure qui a été faite en Bretagne, dans les monts d'Arrée, qui doit faire les 40-50 mètres de long, je ne sais plus trop. Je suis parti sur un quadrilatère solstitial, avec les orientations de levée-couchée de solstice. À l'intérieur, un carré. Une quadrature du cercle, donc surface du carré égale à celle du cercle, avec les cardinaux dessus. Là, nous avons un sceau de Salomon, avec ici le cercle, sur lequel j'ai ponctué les levées de soleil d'été, enfin des saisons, mais les vraies levées de soleil des vraies saisons. Hein, puisque nous on fait partir les choses le printemps le 21 mars, l'été le 21 juin, ce qui est totalement faux parce qu'on est aux apogées, hein, donc on a un départ, l'apogée et une descente derrière. On est en gros au début des saisons, alors que normalement c'est le milieu de la saison. Donc ces axes-là sont des axes de lever et de coucher des vraies saisons, ce qui correspond très exactement aux fêtes celtiques. Bon, il est bien évident que vous avez le dessin là, mais les mesures, les proportions, les mesures métriques sont propres au lieu. Hein, cet endroit est fait pour un lieu précis, c'est pas la peine d'essayer d'en faire une copie autre part, parce que ça ne fonctionnerait pas et ce serait éventuellement carrément foutre le bazar dans tout le quartier, quoi. Bon, ceci est un arbre en bois découpé sur une palissade, derrière laquelle il y a une route nationale qui passe avec beaucoup de voitures. La fonction de cet arbre, entre guillemets, les tracés, ça ne supprime pas le bruit, mais ça fait quand même un endroit qui reste paisible. Alors, au niveau du tracé, là, c'est toujours un quadrilatère solstitial, ici, là, comme ça, un autre en haut, basculé, avec un cercle de quadrature. Voilà, une duplication de carré, enfin des trucs tout à fait classiques. Et en fait, tout l'arbre, la géométrie est calée par le dessin. C'est-à-dire qu'ici, on voit bien que le cercle cadre ses feuilles, le quadrilatère en bas est marqué par ses autres feuilles. Ça passe dans des axes ici de feuilles également. Les branches vont au bout du panneau. Complètement, qui remarque notre proportion, ainsi que les oiseaux. Ben, tout est ponctué dans l'image par les feuilles, les branches, etc. Et tout. Voilà. Bon, évidemment, une fois que c'est parti, une fois que le tracé est enlevé, ça se voit absolument plus. Donc, sur le panneau, le tracé était fait avec des cornes. Ensuite, on a dessiné sur des grandes feuilles de papier les feuilles, les formes des branches qui ont été découpées et clouées tout simplement sur la palissade. Voilà, bon, ça fonctionne assez bien et en plus c'est quand même sympa. Voici une application possible, pardon, des tracés. Madagascar. Donc dans le même principe que ce tracé en Bretagne, j'ai été appelé pour faire un travail à Madagascar. Le quadrilatère solstitial qui est l'image le tracé de base du départ est très différente de la Bretagne parce qu'on est près de l'équateur. Donc les proportions en Bretagne sont de 1,40 et des broutilles de cette géométrie. Et sur Madagascar, on arrive quasiment à deux, presque à un double carré. Donc voilà, la structure n'est pas tout à fait la même puisque la fonction, la demande n'était pas la même. Bon, à Madagascar, bien sûr, il n'y a pas de. Je crois qu'il y avait, Monique, il y avait une pelle mécanique sur l'île. Donc c'est un travail qui a été fait manuellement, tout simplement. Mais comme les Malgaches, il leur avait été expliqué qu'on faisait un travail qui était lié au sacré, ils ont travaillé en souriant tout le temps, ils se sont baladés avec des pierres de 300 kg, entre autres dans une brouette qui ramenait du fin fond de la colline, les autres ils les portaient à dos d'homme avec des bastins de travers, enfin c'est extraordinaire. Voilà, alors ça, une fois la structure terminée, bien sûr, les pierres les plus lourdes faisaient dans les 350 kg. C'est une structure qui n'est pas énorme, mais qui fonctionne très très bien.
Et il y a une chose qui est amusante, c'est que je suis monté sur la colline là en haut à gauche pour définir l'endroit avec le client. On est descendu dans l'herbe, c'est une herbe steppique assez haute, assez dure. Et j'ai planté ma canne pour dire voilà, là c'est le centre. Et ensuite, on a les malgaches ont fauché, voilà, en marquant un grand cercle, de marquer le cercle en faisant des nœuds avec de l'herbe, c'est assez rigolo. Et quand on est revenu, que l'herbe était fauchée, ils avaient laissé les arbustes en place. Et l'arbre qui est près de la pyramide, qui est au centre, je n'avais pas du tout fait gaffe qu'il y avait un arbre, à l'intérieur, il y a un nid. Donc ça veut dire que symboliquement, c'est un petit clin d'œil qui est fort sympathique par rapport au choix de l'endroit. Voilà, ça c'est une vue générale des hauts plateaux. C'est en Kazoubé, c'est à 1200 mètres d'altitude, je crois. Et c'est un paysage qui est fabuleux. Donc le but de cette structure, en fait, c'est qu'on me dit qu'il faut aider la Terre comme elle souffre. Donc j'ai fait un calcul basé sur les équinoxes, les formes d'équilibre des lieux, au point de vue des saisons et tout, etc. Voilà. Voilà, donc on va choper l'orientation ici, on va mettre des piquets. Hein. Bien, alors là on va placer l'axe du tracé, qui est de 60 degrés point 14, qui est l'axe du lever du soleil d'aujourd'hui. Donc quand le tracé est dans l'axe du lever solaire, c'est là où il est dans sa pleine puissance, sa pleine énergie. Exactement comme les églises qui sont orientées un jour donné du vocable. Ça se balade sur environ 70 degrés autour de l'est. Et là où le soleil arrive, se lève tout doucement, il y a une approche, dans l'axe, les énergies sont en pleine puissance, et après, tout doucement, le soleil se décale, il s'en va. Donc ça fait une sinusoïde comme ça, dans le mouvement. Donc là, on va caler celui d'aujourd'hui. On va marquer la longueur des bâtiments, qui est de 7,05 m, qui correspond à un module de longitude sacrée. Donc ça, ce sont des calculs mathématiques. Et ce que ça veut dire, on est dans le sacré et également dans la matière. Donc ça va être notre mesure de référence pour la longueur de ce bâtiment. 7,05. Hop là. 7,05. Oui. Maintenant, on va marquer la largeur qui a été calculée pareil avec le quadrilatère solsticial, la proportion de 1,444 pour ici. On prend une triangulation pour avoir parfaitement l'éclairage. 88. Voilà, c'est pas une triangulation, l'hypoténuse, etc., etc. Voilà, en fait, on prend les mesures et on construit, on trace toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, dans le sens d'extrogyre pour les instruits. Pour fabriquer les choses et pour les défaire, on tourne à l'envers. Donc quand on inscrit une forme, on tourne toujours dans le sens pour construire, vers la droite. Bien. Donc là, vous avez au sol de tracer un quadrilatère solstitial, un rectangle, une figure toute simple. Maintenant, je vais vous montrer, tester avec les baguettes, pour montrer la différence d'ambiance qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur de cet espace. Donc, là on retrouve ça, on approche, il y a toujours une fermeture en fait. Hein. Hop, et dès que je passe à l'intérieur, hein, l'espace est ouvert. C'est pas mal. Point. Arrêtez-nous. Là, voilà, je reviens là. Quand on arrive sur le fil, en fait, il y a de nouveau une fermeture, on repasse derrière. En fait, il y a vraiment quelque chose comme un mur invisible qui s'est installé là. On arrive parfaitement à le sentir avec la main. Voilà le dessin de la chose. Alors on a fait actuellement, on vient de faire ce rectangle là, quadrilatère solstitial. Et on va traiter ça un peu comme un lieu sacré, une chapelle, quelque chose comme ça, qu'importe. Donc on va faire ici un cul de four. Alors on a mille et une possibilités pour choisir la dimension de cet espace. Là, j'ai tout simplement calé sur une quadrature du cercle. Alors que j'ai estimé dessiner un carré
qui est là, calculer la quadrature du cercle, et là où la quadrature coupe le côté du rectangle, ça me donne ma largeur de l'abside, et on va mettre ça en place maintenant tout simplement. Maintenant, je vais vous démontrer la différence d'ambiance une fois qu'on a tracé cette, le cœur là-bas, comme dans une chapelle romane en fait, hein, ou autre, il n'y a pas de dogme dans l'histoire. Je vais vous remontrer l'ambiance avec les baguettes, comme tout à l'heure, qu'on voit l'évolution suivant la géométrie. Voilà, donc là on est dehors. Voilà. J'arrive devant. Hop. Là, il y a une fermeture. Il y a toujours une fermeture dans des lieux comme ça. Il suffit de demander d'entrer, c'est pas bizarre, mais c'est comme ça. On demande l'autorisation de pénétrer dans le lieu. On a les baguettes qui s'ouvrent vraiment toutes seules. Voilà. Et là, je me balade dedans. Et vous voyez quelle est l'ouverture des baguettes. Vous voyez, on est ouvert en. Bon, les jumbos diraient cosmique, enfin, peu importe. Hein. On est en pleine ouverture, on est voilà, bras ouvert. Alors que quand on est arrivé, on était carrément fermé comme ça. Voilà. Voilà. Tu demandes mentalement l'autorisation de pénétrer, et tu vas basculer légèrement de l'avant et ça avance tout seul. Tu es d'accord? Entièrement d'accord. Voilà, on a mis ce tracé en place avec un esprit d'une chapelle, d'un lieu sacré, cultuel, sans aucun dogme, quoi que ce soit, on est dans le domaine du sacré, d'une chapelle. Voilà. Donc le fait de travailler dans cet esprit-là, ça induit automatiquement la place de l'autel. Maintenant, on va s'amuser un petit jeu. Pour ça, il me faudra des êtres quasiment humains pour faire tester la chose et raconter ce qu'ils ressentent et tout. Hein? Maintenant, on va faire ça. Clac. On va tester l'ambiance de cet espace qui est traité en gros comme une chapelle. Donc, il va venir ici, au ras, percevoir cette porte non visible mais qui est présente, voilà, t'appuyer dessus, demander l'autorisation de pénétrer mentalement, tu vas sentir que tu as le corps qui bascule légèrement, il y a juste avant le pied pour rentrer dedans. Ensuite tu vas aller jusqu'à l'emplacement, on peut dire, de l'hôtel, tu vas rester devant, tu vas regarder au loin, tu vois comment tu te sens. Ensuite de quoi, tu fais demi-tour, comme un officiant. Tu fais demi-tour, tu regardes vers la porte, ce que tu as, reçu, tu le donnes. Tu fais la démarche d'un prêtre, d'officiant, qui va là-bas, qui prend des choses et qui retransmet. Non, tu t'arrêtes devant, le prêtre ne demande pas sur l'hôtel. Hein. Sauf en Bretagne, quand il dit, je vais 10 minutes sur un hôtel. C'est vrai, c'est vrai. Ni des bonnes sœurs. C'est bon ? Oui, c'est bon. Je vais te laisser faire ? Et bon, merci. Gilles, maintenant, puisqu'on a installé les murs, on pourrait peut-être installer des fenêtres, et on les installerait où ? Où on veut. C'est pas suivant mal. Suivant le besoin. En fait, là ici, par exemple, suivant la fonction, c'est des choses qui viennent. Après, on réfléchit plus, les choses se mettent en place. Donc Gilles, sur quelle mesure tu te bases pour recréer toutes tes géométries et tes constructions, en fin de compte ? Bah, c'est très très simple, c'est exactement comme dans le temps, on travaille en coudée. Hein, la référence c'est le module solaire, mathématiquement c'est simple, hein, c'est le cosinus de la latitude multiplié par 10, ça nous fait une coudée. Un module solaire divisé par 12, ça nous fait la coudée. Hein, ça permet déjà de travailler en harmonie, en équilibre avec l'univers,
et c'est top. Hein. Et moi, je tiens toutes ces informations d'un ami qui s'appelle Raymond de Montercy, qui est le roi de la géométrie et tout, et qui est un grand personnage adorable et tout. Il a travaillé beaucoup sur le domaine, il a plein de calculs comme ça, enfin très complexes que je ne sais pas faire. Mais maintenant, on peut trouver des programmes qui calculent tout ça très très bien. Alors qu'avant, ils étaient dehors avec ils se baladaient au solstice d'été, etc., avec leurs piquets, leurs jeux d'ombre et tout. S'il pleut, c'est raté. Enfin, bon. Maintenant, on peut, avec les moyens techniques et de science, avoir toutes ces formules-là très correctement. Qu'est-ce que la géométrie sacrée ? La géométrie sacrée, c'est l'art, la science, de donner la vie à des bâtiments, à des lieux, des églises, etc. On a la matière, mais on a aussi besoin de l'esprit dans les lieux de culte comme dans les maisons. Dans le temps, le sacré n'était pas dissocié de la matière, ça fonctionne ensemble. Ok. Et pourquoi cette technique a-t-elle disparu ? Bah, cette technique a disparu avec l'arrivée du siècle des Lumières, l'avènement de la science. Dans la matière, bon, on a appris aux gens mille et une choses pour chasser la magie noire, la sorcellerie, les choses, tout ce qui est subtil, qui n'était pas vérifiable. Toute la science était matière de toutes les façons, mais ce qui n'était pas mesurable et vérifiable, ça n'existait pas. Donc ça a disparu tout doucement au fil du temps. Le mauvais et le bon. Et y a-t-il de nouveau intérêt à cette science ? Oui, parce que les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas très bien dans leur maison. On vit dans une période matérialiste et matérielle. Ça veut dire attaché à la matière. Toutes les subtilités n'existent plus. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas bien, qui sont malades, jamais gravement, mais enfin, beaucoup quand même. Enfin, c'est comme si les gens étaient un peu hémiplégiques. Il leur manque un bout, il leur manque la subtilité, la finesse, les énergies. Lié à la matière, on ne peut pas séparer les deux. Mais en quoi la géométrie peut être utile alors ? Elle peut être utile pour harmoniser des lieux, des maisons, comme je disais tout à l'heure. Et donc, entre autres, les maisons qui ont des problèmes, il y a des problèmes d'eau souterraine, de pollution, entre guillemets, géologique, géomagnétique. Et ça peut se traiter très bien avec des géométries avec lesquelles on recrée des espaces, comme on l'a fait avec le tracé dans le pré tout à l'heure. Que ce soit parce qu'il y a une eau qui traverse la maison, on n'est pas bien dessus, etc. Une fois qu'on a ponctué cet endroit, qu'on a créé un espace, l'effet négatif de l'eau, entre guillemets, a disparu. On peut aussi donner une vie à un lieu, bon, comme dans les églises, les temples. Les gens qui pratiquent des arts martiaux, on peut faire une ambiance propice à ce genre de choses. On met l'ambiance du lieu dans l'âme de ce qu'on est en train de faire, dans l'esprit de ce qu'on est en train de faire. Voilà. Il n'y a-t-il pas du sacré dans cette démarche ? Ah, bien sûr que si. Il y a du sacré, parce qu'on est lié à la nature, on est lié au cosmos, mais il n'y a rien de religieux, il n'y a pas de religiosité dans l'histoire, ni de dogme de quoi que ce soit. Le sacré, c'est quelque chose d'universel. Si on prend par exemple le niveau de la symbolique, on a la symbolique dite profane, qu'on soit vraiment verser l'espoir, rouge, la colère, je ne sais pas quoi. Après, au niveau au-dessus, il y a la symbolique religieuse, et après, au-dessus, il y a le sacré.